Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit tournoi du vendredi. Sortira-t-il un vendredi? Telle est la grande question. On va rester avec les teams, avec les mêmes équipes. Donc je pensais enlever le Hashirama la semaine dernière. Au final, vu que j'ai réussi à l'intégrer dans la team Kakashi Minato, je pense que c'est pas mal. Donc on va y aller comme ça. Ok, alors déjà commençons par sélectionner notre bon Kakashi était bien sûr le petit Minato qui fait plaisir. Le petit Hashirama bien sûr. Et le petit Main. Fait également plaisir. Ouais, je vais mettre là le Mainfeu, comme ça il sera au milieu, etc. Je pense que c'est pas mal. Ok, alors au niveau des invocations, c'est pas tout à fait ça. Roi singe, ah oui, c'est vrai qu'il est au niveau de la poursuite. La poursuite, il manquait un truc, donc chute. Chute, refoulement, haute. Haute, chute. Ok, haute, et donc ici, si je fais pas de bêtises, à moins que, attendez, chute, chute, refoulement, refoulement, haute, haute, chute, chute, refoulement, refoulement, haute. Haute, chute, chute petite, into petit refoulement. Ouais. Je pense que Mima c'est correct. Les poursuites, j'ai même pas regardé au niveau des autres compétences. Bah, de toute façon, c'est ce qui est sans doute le plus intéressant. Ok. Héroïque, héroïque. Héroïque, au secours, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La petite héroïque. Héroïque, ça va pas du tout. Mais attendez, mais que se passe-t-il? Ok, bon. Héroïque n'était pas. Faisait bon, ce qu'elle veut. Bon, bah écoutez. Elles ont des désirs de liberté. Écoutez, je les comprends. Bon, allez. Salut! A tout de suite. Quel vire. Oula, attention. Oh, il joue Minato en fait, hein. Oulala. Oulala, attention au Kimimaru qui peut être problématique. Ok. Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de. Ok, je tente une protection quelconque. Et attention tour 2, je crois que c'est l'avantage en termes de. Oui, il a l'avantage de première attaque, donc attention. Ok. On continue au niveau des poursuites. Très bien. Pour l'état, bien sûr, qui va arriver. Ah non. Pas encore. Ok, donc on a contrôlé Kimero. D'accord. Très bien. Excellent. Il va falloir attention. Ok, oula. Le petit Kimaro va commencer à piquer un peu. Ah, il est totalement offline. Ok. Ok. Lancer ce Minato comme ça. D'accord. Au prochain tour, on a resté un petit peu des gammes. Il va falloir lancer Minato et notre ami Hashirama, je pense. Normalement, je sais pas si ça va prendre. Si on va pouvoir appliquer le poursuite de Hashirama. Ok, bon. Bon, on va essayer de l'interrompre. C'est déjà une bonne nouvelle.
Pas tout à fait les combos espérés. Il va lancer son Minato, je pense qu'il aura. Il n'y a pas de chakra. Ah. Il a assez de chakra. Ok. Ok. Intriguant. Ah, les dégâts de son côté sont tout à fait présents. Oulala. Donc, Kakashi était de ne tape pas trop. Ok. On va faire Minato. Terrible, terrible nouvelle. Ouais, du coup, j'essaie d'attaquer Kakashi. C'était complexe. À la paralysie du main. Ouais, ok. Je vais pas pouvoir gagner ce combat, malheureusement. Ok. Notre adversaire avait bien plus de combativité que nous. Des choses qui peuvent s'expliquer, hein, évidemment. Petite défaite, bon. Pas de chance pour Minato Edo. Oula. Ok, on va mettre ça. Comme ça, Hiruka est sur une case attaque et elle mène feu et sur une case d'Inmutsu. C'est pas mal, et sans vite, si jamais ils essayent de cibler une colonne ou quoi, bah si ça cible, ça pourra cibler qu'un seul ninja dans ma backline. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai l'impression que ça fait trois fois que j'essaie de vérifier mes reliques. Et en fait tout va bien, donc donc c'est quand même assez exceptionnel. Ouais, poursuite de 10, c'est bien. Ils ont de la mort. Danse de la stimu. Je pense qu'on est pas mal. Allez, à tout de suite. Ok, Jifu. Alors attention, ok. Oula, il joue deux ninja barrières. Ok, attention. Ah. Eh bien, je vais nullifier la présence de son perso. Avec mon petit Gaara. Okay, c'est assez étonnant de jouer un Shishui, mais avec un Roshi, mais ok, pourquoi pas. Ah, si ça se trouve, peut-être qu'il est en galère depuis l'une de résurrection et il vient un petit peu avec ce qu'il peut, pourquoi pas. On va cibler qui? On va cibler son main. Faut que je reste plus ciblé son Roshi en vérité, quoique. Vu que je suis parti sur main, pourquoi pas rester sur main, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, du coup, ok. Ah oui, d'accord. Les dégâts ont été présents. Je m'attendais pas autant de dégâts, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Oh, bah, on y retourne, hein. Allez, tout de suite. Tiraedo. Ok. Ok, ok. Attention, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Je vais lancer l'ulti. Pas pouvoir lancer l'ulti. Naruto. Il va espérer mon chakra. Et tant que je cible Tsunade et que j'appuie sur le bon bouton, je peux plus faire ça. C'est très bien. Et alors attention, je prends la version de résistance, tiens, pas. Ok. Petit dégâts qui sont activés. Ok, il a. Ouh là 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 là. Ok, lance tous les outils. Ça donne moult et moult attaques pour mon Naruto afin de bien évidemment scale un peu. Des petits dégâts tout à fait sympathiques. Notre adversaire a combien de créativité? Ok, ok, ok. Oui, on a quelque chose comme 20 000 de différence. Tout peut se faire, donc allons-y. Et donc on va lancer. Là.
Oh, alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement, ce serait d'attaquer un peu. Non, on peut pas faire. Ça. Avec vos 10 années, aspire beaucoup de limites au chakra. Pas pour lancer Yoruka, mais. Est-ce qu'on faudrait pas un petit coup de nettoyage de poison, de ce genre de choses? Ah, nickel. Nickel, nickel. Ça on évite de perdre un peu trop de points de vie. Ok. Le gars qui a réussi à stun totalement notre ami Tizame. L'immobiliser, pardon. Okay. Et on va plonger sur la Tsunade. Retraite. Ok. J'aurais sans doute dû multiplier pour éviter de prendre vraiment trop de dégâts. Mais après, de toute façon, la Tsunade adverse l'aurait ressuscité. Il aurait certainement pu récupérer l'ultime. Donc, dans Tsunade, c'était peut-être une meilleure cible. On va très bien. Oui, à tout de suite. Balafri. Ok. Oulala. Là là. Oulala là 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 là. Ok, ça va pas être simple. Ah, il faut à tout prix que je lance l'outil du main feu. Pour espérer dispel mon auto d'une quelconque façon. Enfin, c'est trop risqué de lancer Gaara, mais quelque part, il est pas récent. Ouh là là. Je crois que l'écart de combativité est un peu trop élevé, 1300 et quelques. Allez, on lance Gaara, let's go. Bon, je fais à peu près du 1000 sur mon auto, nous fait du combien sur mon auto? D'accord, c'est un petit crit, enfin un gros crit même. Ouais. Je pense qu'on peut pas gagner, donc on va remplir. Ok. On va pouvoir réciter notre ami Naruto. Alors, tac 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 sur le petit Kakuzu. Le petit Suigetsu. Ah oui, c'est vrai qu'on mettait tout en haut comme ça. Pour que les clones de Zetsu se mettent devant Suigetsu et le petit Kakuzu. Ok, au niveau des talents, on est plutôt bon. Au niveau des chroniques, c'est parfait. Allez, on y retourne. A tout de suite. Ok, oula. Comment ça... Oda. Ok, monsieur Oda. Murasaki. Joli, bien sûr. Ok, on va faire ça. Ouais, même utiliser Suigetsu parce que c'est la folie. C'est de façon excellent. Petit outil du main flow là, histoire de mettre un petit bouclier qui fait plaisir. Voilà, nickel, on est bien. Kikaton. Et le petit Kamehameha qui finit très bien. Nickel. On confirme. Boum, on relance. Let's go. Ok, à tout de suite. Balafri, ok. Ok, collègue d'Adoda, bien sûr, très bien. Ah oui, ça sert à rien de mettre tout là-dessus. Un petit peu bête, mais bon, écoutez, tranquille. Tranquille. Ok, Mini Zenigutsu, bon, ça on connaît bien sûr. Oh, ok. Ok, Suigetsu qui ne provoque pas de KO. Excellent. Bravo, Suigetsu. Apprécie. Apprécie fort. Oh, Joe esquive. Incroyable. Tout ceci est incroyable. Ok, j'ai pas eu le temps de bien sélectionner les trucs comme il faut. Ok.
Alors que peut-être. Attention, multi. Attention, attention. Est-ce qu'il tue les clones ou pas? Ah. Oui, il tue un peu tout le monde, d'accord. Aïe, 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 aïe. Très bien. Ok. Bon. Il y a eu un léger contretemps, bien sûr, mais tout va bien. Le petit Garin, le petit Rouka, évidemment, qui fait plaisir. Ouais, non, je peux pas aussi citer une autre équipe derrière. Oula, déjà 52. Bonsoir, bonsoir. Le temps passe vite. Hein. Le temps passe vite. Donc, allez, à tout de suite. Balafré de retour. Ok. Ah, petit repli. Merci, merci à lui. Merci à lui. Allez, boum, on lance. À tout de suite. Ok. Oh, un petit vanille. Intéressant. C'est extrêmement peu orthodoxe comme, comme perso, ça. Enfin, comme composition, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Le Kizame qu'il a en P1 avec le Sharma. Attends, son Kizame est percé ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Et je comprends pas pourquoi ça c'est quoi en tant que P2. Ils vont s'en servir en tant que carry. Il aurait pu mettre son Sharma. C'est pas ça. Bon, c'est. Il se passe des choses. Peut-être pas chercher une explication. Absolument tout. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, nous avons 5 minutes pour faire le tournoi de Sjorn. Bon. Comment dire que ça va être compliqué? Ça va pas être simple, mais bon, tranquille. Ok. Alors que le lag et le bug, hein, bien sûr, est présent. Petit tournoi. Évidemment, on va pas modifier les compositions. Hein. Je pense que ça convient tout seul comme ça. Oui, 3 minutes. 3 minutes 20. Bon. Je sais me dépêcher. Ça serait pas mal qu'on trouve un petit combat. Ouais. Je vais jouer Sasuke. Collega Doda, bien sûr. Non, ça c'est Madara qui dit ça. Ouais. Allez. Juste voilà, cette poursuite là. Qui en avant. Let's go. À tout de suite, peut-être. Ah non. Le combat se lance directement. Bon. Très bien. Oula, attention, mode automatique. Ça peut faire littéralement n'importe quoi. Ok. Sherman, c'est qui son père Naruto. Ok. Je pense un petit coup de carry, on aurait pas mal. Exactement. On était pas mal. Yamete, bien sûr. Et ça, Rasengan. Ça part de là. Ah, sur le Furama, la première version, d'accord. Okay. La pointe de tatouage. Incroyable. Petit ulti, fait plaisir.
Alors, je sais pas s'ils peuvent modifier la qualité de leur vidéo, ce serait une belle prouesse. Je crois que c'est le cas pour les prochaines versions du jeu. Je crois que c'est en version 7 ou un truc comme ça. Enfin, attendez. Version 8, un truc comme ça. Ils ont réussi à modifier ça. Bon, écoutez. Quoi qu'il en soit, à tout de suite. Ok. Ah, monsieur Oda. Très bien. Il a quoi comme perso? Kakuzu. Ok. Karine, let's go. Ok, nickel. Nickelus. Et ça, quand... Ok, il me reste 10 secondes pour essayer de relancer. Que ça va être un speedrun de l'infini. Non. C'est dommage. Bon, bah écoutez, très bien. Bon, j'espère que le petit tournoi vous a plu tout de même. 5 victoires sur le compte principal, c'est excellent. 2 victoires sur le petit compte de Sound. De toute façon, le compte de Sound, c'est que du bonus, donc et pourquoi pas. Bon. En tout cas, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.